This is a very important program and important work, and we need young people to be connecting more than ever together from across the various boundaries and les frontières, but also to replace les jeunes d'hier, which are many of us here, par les jeunes d'aujourd'hui. Nous avons travaillé sur le projet de développement des capacités de résilience socio-économique des jeunes au Burundi. On a travaillé sur ce projet après avoir découvert qu'au Burundi, comme dans la région des Grands Lacs, le Burundi est un pays qui a connu des conflits entre les différentes générations, des conflits répétitifs. Et là, ces conflits ont affecté la jeunesse. Et là, on voudrait prendre une activité qui peut inspirer d'autres jeunes malgré ces défis qu'ils ont rencontrés, ces conflits, pour se relever et aller toujours de l'avant et travailler pour leur vision. With the initiative we call the Dialogue Game, Youth Building Bridges for Peace, in our mind, knowing that in Uganda, we have the highest percentage. Our main objective was actually to increase youth participation in peace building and democratic processes and contribute to the drafting of the National Action Plan on Youth Peace and Security. Through engaging the young people at the grassroots level, our activity really happened in a very small place. It is like just a very small oasis in the desert, but the results are really inspiring us. C'est une initiative qui vient répondre aux problèmes liés aux conflits interculturels. Et nous l'avons implémenté au sein des universités et institutions supérieures d'enseignement. Nous avons donc décidé de travailler avec les jeunes étudiants, membres des mutualités tribalo-ethniques. Alors, le problème qu'on a avant tout identifié au sein des universités et des institutions supérieures d'enseignement était que il y avait maintenant une tendance qui depuis des générations se faisait et qui continue à se faire aujourd'hui, des jeunes qui se regroupent en mutualité selon qu'ils sont ressortissants de quelque part, selon qu'ils sont ressortissants d'un village, d'un territoire ou même d'un pays. So the Great Lakes region has suffered conflict for so many decades, and none of the countries within the Great Lakes, Great Lakes region has been immune from those conflicts. The problem we identified, there were so many, but we realized that depression has been a very significant public health concern in the region, particularly among young people. After understanding that this is a very pressing issue among youth in Rwanda and the Great Lakes region, we said, okay, what can we do about it? So we came up with an idea of the Amani Youth Expo. So it's a project that that aims at improving mental health awareness, teaching and equipping young people with knowledge about mental health. The project aligns with the goals of the Rwandan government's national strategy for transformation, which emphasizes on promoting mental health as, and well-being as a key component of sustainable development. On a procédé par trois espaces Munga, non, qui ont été des espaces qui facilitent ces rapprochements entre les décideurs et les jeunes. L'une de nos problématiques phares, c'était cette méfiance qu'il y a entre les décideurs et les jeunes. Alors parmi les résultats auxquels on s'attendait, il y avait entre autres la création de trois espaces d'analyse critique en termes d'engagement de nos bénéficiaires, mais aussi au moins trois cadres d'analyse critique fonctionnels et animés par les bénéficiaires. Nous avons bénéficié d'un soutien actif et très encourageant des 10 chefs de village, mais aussi de l'administrateur du territoire, à savoir la première autorité du territoire de Nyiragongo qui nous a soutenus, qui était là, qui a partagé son expérience et beaucoup plus, qui a pris des engagements sur lesquels je vais d'ailleurs devoir revenir après.
On a même eu des propositions des chefs de quartier qui nous ont vivement sollicité à pouvoir dupliquer l'espace Mungano dans leurs communautés respectives en vue d'élargir l'impact de notre initiative. Young people are the hope not only for tomorrow, but also for today. Tomorrow starts today. So they possess the energy required to address today's challenges. And our role should be to support them so that they can play this role effectively. Donc l'important, c'est d'avoir une vision, d'avoir un projet d'avenir. Et effectivement, c'est les jeunes qui ont la responsabilité de construire leur avenir et de ne pas seulement hériter des conflits du passé et de les perpétuer. Et donc là, je crois que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai entendu les témoignages, soit par vidéo, soit de vous ici présents dans la salle, que vous avez appris beaucoup de choses. Et ça, c'est important parce que nous, on ne peut ne faire que faciliter un peu montrer l'exemple que l'Union européenne vous inspire peut-être de construire une sorte d'union chez vous entre vos États et vos peuples. The summit's objective, which is to provide a space for young individuals from Burundi, the Democratic Republic of the Congo, Uganda and Rwanda, to identify narratives of positive change and draw lessons is undoubtedly realized through the collaborative spirit aimed at building a more robust society and fostering resilience in the Great Lakes region.